foundations, the design, the materials used, all the way down to the latest details, are few of many things that we focused on when we envisioned the airport residency. As proud innovators of community estates, the airport residency in Old Yeondeum, a project by Swami India International, offers unique gated community with 3- and 4-bedroom villas and duplexes. Just 5 minutes away from the Banjul International Airport, luxury, convenience, and accessibility are some of the reasons you should consider this great housing opportunity. With a clubhouse, a playground, access roads, and parking facilities available for your dream home or a valuable investment, you will find all you need at Airport Residency here in Old Yeondeum. Are you a resident of France or its surrounding countries and still wondering how to send your packages to the Gambia? Or your properties got lost or have delay anytime you send them? French Touch is here to solve your problem. French Touch sends all kinds of goods except what cannot be fit in container. They don't only stop at sending, but they also sell goods like fridge, mattresses, good quality carpets, furniture and many more. Inata bu mo jora la karola u fanan kenna ma bewiye simento bije adadi ma na kenna ma ñu lu man da nga li wadam fanana de ika moto ki anin ka wafi nin dadi ma fanana ñun tumo tuma yesandiro kenil ma ika wafi ma ko nopal ime batandi duna sikala ya doku la so do milyan koy sobe yata bake ifon la ke la bakaso samba fela la bu ngoko no Frank Touch fela sabater nga le kiti sila balakan gunjur birkama highway ise ka tianyo ya nino nin ñin nombal la alkami jeskir le partenaire qu'il respectera toutes ses obligations
liée aux conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Voilà, présent, nous sommes dans la cour du Palais du Peuple, précisément à l'entrée du chapiteau où se tient maintenant la rencontre entre les nouvelles et les anciennes autorités guinéennes. Je veux parler des forces spéciales, mais aussi des anciens ministres et anciens membres des institutions républicaines. Et donc, vous avez suivi, c'était là le discours des nouvelles autorités. C'est la sortie maintenant de... Voilà, on demande aux... Il a demandé aux anciens ministres de rester en place. Voilà, donc... Voilà, et vous entendez certainement que les anciens ministres sont demandés de rester en place, c'est-à-dire sous la tente du chapiteau du Palais du Peuple de Conakry. Et donc, on va nous orienter vers l'autre côté pour voir, pour assister à la sortie des autorités. Voilà, vous me suivez à l'instant, ce sont... voilà, c'est le colonel et toute son équipe. Voilà, qui... Voilà. Voilà, vous le constatez. Et voilà, vous l'avez compris. Donc, le discours est fini. Il est demandé, il est dit que une structure sera mise en place justement pour travailler sur l'organisation de la transition. Voilà, ça c'est le colonel de la gendarmerie régionale, le colonel Bala Samoura, que vous voyez déjà entouré d'autres hommes. Voilà, et ce sont les officiers, cette sortie des officiers. Et voilà, donc ce sont vraiment des officiers de la gendarmerie, mais aussi les officiers militaires. Et voilà, c'est le commandant de Bata, qu'on appelle le colonel Abdoulaye Keïta, commando Faga, qui est le commandant de Bata, qui est suivi là aussi par ces éléments. Alors, donc, retenez que sous la tente, en tout cas, les anciens ministres et anciens présidents des institutions républicaines sont sous la tente du chapiteau. Et pendant que les militaires, les officiers militaires sont en train de se diriger vers la base des forces spéciales où nous avions presque passé toute la journée d'hier, pour vous faire vivre ces événements qui se passent en Guinée, parce que comme vous le savez, la Guinée est à la croisée des chemins, et voilà quoi, l'ère de professeur Alpha Condé est désormais révolue, la réalité elle est tout autre, voilà, et donc ce sont les nouvelles autorités, la situation est aux mains des militaires, et voilà donc qui ont réussi dégager Alpha Condé du palais hier et à en tout cas ce qu'on ne signale pas, il y a eu voilà pas mal de morts entre dans les rangs des militaires entre eux bien sûr, et donc c'est l'événement que vous vivez maintenant, et voilà c'est le directeur général des douanes aussi qui sort là de la salle, donc ça veut dire les officiers militaires, eux en tout cas, sont sortis tous de la salle et se dirigent vers la base des forces spéciales où est détenu bien sûr le président Alpha Condé. Donc c'est une exclusivité que nous tenons depuis hier. Vous êtes avec nous, merci pour votre fidélité. De l'autre côté, bien sûr, en face du Palais du Peuple, il y a toute une mobilisation, une forte mobilisation. N'est-ce pas, des populations. Voilà, c'est l'ex-chef d'état-major de l'armée des terres, le général Mohamed Diané aussi qui sort là. Voilà, donc, eh bien, c'est l'actualité. Voilà, donc, on va tenter de rentrer dans la salle, voir les visages de ces anciens ministres qui sont là. Ça, c'est le directeur général de la police, le général Bafoué aussi qui sort de la salle avec ses hommes. On entre dans la tente pour voir justement qui et qui sont présents là. On est sous la tente. Voilà, vous comprenez très bien. Il est demandé à tous les anciens ministres, tous qui ont été invités, de rester en place ce matin, sous la tente. Certainement, il y a des nouvelles orientations qui vont venir d'un moment à l'autre. Mais d'ici là, on va essayer. On est là pour faire vivre ces événements, c'est une nouvelle ère, un moment historique dans
dans notre pays. Voilà, ce sont ces anciens ministres qui sont là, que vous voyez assis là. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la situation. On est en train de nous demander de sortir de la salle. Voilà, mais on se bat en tout cas pour vous mettre bien de la situation. Merci à toutes et à tous. Nous allons interrompre un peu la vidéo pour nous battre autrement au plus vite, s'il vous plaît. Nous vous revenons d'un moment à l'autre. Merci à toutes et à tous. On vous revient dans un instant. Oui. On est de retour au Palais du Peuple, au chapiteau justement. Voilà, les anciens membres du gouvernement qui se suivent à présent pour aller dans la cour de la base des forces spéciales. Voilà. On relance notre direct. On est en face du pont 8 novembre où des assauts ont commencé hier parce que la garde présidentielle était postée à ce pont qui constitue l'entrée, un point stratégique bien sûr dans la capitale guinéenne. C'est l'entrée au centre-ville de Kaloum, c'est-à-dire au centre des affaires. Il faut passer par ce pont pour accéder au palais présidentiel, pour accéder à toute l'administration guinéenne en un mot. Et c'est ici que les positions avancées de la garde présidentielle ont été repoussées d'assaut et au plus vite par les éléments des forces spéciales qui, après avoir franchi ce pont, se sont tout droit dirigés vers la présidence et livré le combat avec les gardes présidentielles. Un combat qui a tourné en leur faveur. Bien sûr, ils sont reconnus comme étant des soldats bien formés, aguerris et bien équipés. Donc, ça ne leur a pas posé autant de problèmes pour réussir dans leur mission hier, qui était de mettre Alpha Condé hors du jeu. Voilà. Vous voyez, la mobilisation, elle est effective. Les forces spéciales sont soutenu par la population, les habitants de Conakry. Voilà. Le risque il est grand, mais le devoir nous oblige. Voilà. On est en direct depuis Conakry. Le pont 8 novembre, difficile à traverser. C'est immense comme joie. Une forte mobilisation. Toute l'armée guinéenne s'est rangé derrière les forces spéciales. Et surtout, la population a adhéré. Surtout. Voilà. L'adhésion de la population, elle est effective. Elle est totale. Sentez les cris de joie. Cette scène de liesse, bien sûr, a compliqué
départ d'Alpha Condé. Ils ont sorti. Voilà. Dans le périple, bien sûr, pour vous donner dans les moindres détails tout ce qui se passe ici aujourd'hui à Pau. Voilà, nous évoluons vers la mosquée Faïçal. On est vers Kolia ici, vous constatez tout devant nous. Voilà, quelqu'un demande la direction. En fait, c'est un carnaval géant pour saluer la population, prendre un peu la température. Il y a un accident déjà, un accident de moto. Un blessé, vous le voyez entre les mains, ils sont en train de le conduire hors de la chaussée. Alpha Condé, mais aujourd'hui vous pouvez comprendre. Vous le savez.